afin d'être conscient des zones sur lesquelles il faut porter votre attention, nous allons vous présenter le trajet du méridien régulier ainsi que son trajet interne, mais également le trajet qui est réellement concerné par cette pratique, qui est le méridien tendinomusculaire. La partie externe du méridien principal du gros intestin prend naissance à l'index au point gros intestin 1, Shangyang, au coin radial de l'ongle. Puis, il passe entre le premier et le second métacarpien. Il continue en direction proximale le long de la face latérale de l'avant-bras jusqu'à la face latérale du coude. Il monte en direction proximale le long de la face latérale du bras jusqu'à l'épaule. Il croise le méridien de l'intestin grêle au point intestin grêle 12. Il se dirige ensuite vers Dumai 14, Tatsui, en dessous du processus épineux de la septième cervicale, où il rencontre les cinq autres méridiens principaux yang. Puis il passe par le cou et pénètre dans la fosse susclaviculaire dans la région de estomac 12, Köppen, part ensuite en remontant le long de la face latérale du cou et parcourt la joue. Le trajet externe se poursuit en passant par estomac 4, il décrit une courbe autour de la lèvre supérieure et traverse jusqu'au côté opposé du corps pour atteindre Dumai 26. Sur le côté opposé du corps, il va à gros intestin 19 et se termine du côté opposé de chaque côté du nez au point gros intestin 20. Yinxiang, accueil des parfums. Son trajet interne prend naissance à estomac 12. Il se relie au poumon, qui est son organe sang couplé. Il traverse le diaphragme et pénètre dans le gros intestin. Du gros intestin, une branche interne descend jusqu'à estomac 37, point mère inférieur du gros intestin, sur la face latérale de la partie inférieure de la jambe. Le méridien tendinomusculaire du gros intestin prend naissance à l'index, au point gros intestin 1, Shangyang. Il parcourt l'index et le second os métacarpien en direction du poignet, où il se fixe au point gros intestin 5. Il monte le long de la face postérolatérale de l'avant-bras, atteint le coude et se fixe au point gros intestin 11. Puis il continue à monter le long de la face latérale du bras et du muscle deltoïde jusqu'à l'épaule où il se fixe à nouveau au point gros intestin 15. Du point gros intestin 15, une branche se déploie sur la scapula, l'omoplate, puis se rattache à la colonne vertébrale entre la septième cervicale et la cinquième thoracique, entre Dumai 14 et Dumai 11. La branche principale remonte à partir du gros intestin 15, traverse la fosse susclaviculaire et de là continue à monter le long de la face latérale du cou jusqu'à l'angle de la mâchoire où elle se fixe. À cet endroit, elle se sépare en deux branches. Une branche parcourt l'os zygomatique en direction du bord latéral du nez. L'autre branche monte sur la face latérale du visage et en avant du méridien musculaire de l'intestin grêle se relie aux autres méridiens musculaires yang au point BB13, Benshen, traverse la tête et se connecte à la mandibule sur le côté opposé. Les deux pieds parallèles, les deux mains s'élèvent et on connecte le pouce et l'index. Les autres doigts se referment dans la main. Les mains glissent le long du méridien d'Aimai, méridien de ceinture, pour s'écarter latéralement à gauche et à droite dans un mouvement d'ouverture. Les trois articulations se fléchissent, poignet, coude, épaule. Fléchir la tête autour de Tatsue, Dumai 14, et puis incliner la tête à gauche pendant que le bras droit s'étend légèrement avec une légère rotation. Retour par le centre et puis effectuer le même mouvement de l'autre côté. Inclinaison à droite, extension légère à gauche.
Gardez toujours un peu de réserve dans l'extension des membres supérieurs pendant toute la réalisation de l'exercice. On va inspirer lorsque la tête revient au centre et expirer lors de l'extension. Inspirez sur le retour. Expirez sur l'extension. Prenez conscience du trajet du méridien sur chaque exercice. Inspirez sur le retour. Extension. Inspirez, petit mouvement. Expirez, relâchez. Passons maintenant à la pratique. Centrage, les deux pieds bien à plat au sol. L'ensemble du pied est en contact avec le sol sur toute sa surface. Alignement, verticalité, étirez le sommet du crâne vers le plafond et relâchez la taille, bassin, les muscles autour des hanches. Ancrer pied droit, ouvrir pied gauche. Inspirez, élevez les mains, connectez, expirez, ouvrir. Inspirez en élevant. Et expirez en étirant le méridien à gauche. Inspire au retour, expire pour étirer à droite. Inspirez en revenant au centre. Expirez, visualisez le trajet depuis l'index jusqu'à la joue. Retour et expirez sur l'étirement, index, joue et l'autre côté de la tête. Inspirez sur le mouvement des mains et expirez en laissant redescendre les mains à la position initiale. Référez-vous au trajet du méridien tendino-musculaire afin de bien focaliser votre attention sur l'ensemble du trajet de ce méridien. Expirez, visualisez le trajet depuis l'index jusqu'à la joue, mais également au niveau de la zone dorsale supérieure et au niveau de la partie opposé de la tête. Inspirez sur le mouvement des mains et expirez en laissant redescendre les mains à la position initiale.